Le Sénégal plongé dans l'incertitude. Le Conseil constitutionnel vient de trancher. Le report de l'élection présidentielle voulue par Macky Sall est invalidé. L'instance a déclaré contraire à la Constitution la loi passée par le président, consistant à le maintenir à son poste au-delà du terme de son mandat. Début février, le président en exercice Macky Sall avait décrété le report du scrutin qui devait se tenir le 25 février au 25 décembre. La décision fut notamment appuyée par l'Assemblée nationale. La prise de position du Conseil constitutionnel représente un désaveu pour Macky Sall, l'institution qui n'a pas pour coutume de se déclarer compétente, a pris une décision qui pourrait constituer un tournant dans la scène politique sénégalaise. Bien qu'il abroge le décret présidentiel qui repoussait l'échéance électorale, le Conseil constitutionnel n'a pas fixé de date pour le scrutin. Face à une telle donne politique, le Sénégal plonge un peu plus dans l'incertitude, alors que plusieurs membres de l'opposition ont pourfendu la décision de Macky Sall. L'Union européenne a réagi vendredi 16 février. Elle appelle toutes les parties à respecter la décision et à mettre tout en œuvre pour organiser les élections selon la décision du Conseil, c'est-à-dire dans les meilleurs délais. La CEDEAO a fait de même, appelant au respect de la décision du Conseil constitutionnel.